Allez, sans clé, c'est parti. Non mais attends, c'est quoi ça? Regardez, j'ai 100 000 items. Ok les mecs, dans cette vidéo, comme d'habitude, il y a un huge à gagner. Et les gars, on va directement regarder dans la boîte des abonnés. Donc ça les gars, c'est toute la boîte des abonnés avec que vos cadeaux, juste pour vous. Et donc, quel huge on va choisir aujourd'hui? Alors déjà les gars, il y a Mini Pimps qui a envoyé 1 milliard de huge pour les abonnés. Il est un peu fou. Donc regardez, il a envoyé le petit huge kangourou, le virus, le gecko, le lunar moss, le girafe et le huge chroma phoenix. Donc dites-moi dans les commentaires lequel vous voulez que je fasse gagner de Mini Pimps. Parce que regardez tout ce qu'il a envoyé. Il est fou. Mais du coup les gars, aujourd'hui on va faire gagner le huge prison cat de la part de Kiri Kiri Kiri. Hop, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble quand même. Boum. Et ça fait longtemps en plus qu'il l'a mis dans la boîte des abonnés celui-là. Donc au moins il va enfin pouvoir faire gagner son huge. Et donc les gars, tu voulais participer pour gagner le huge de Kiri Kiri. Par contre c'est drôle, mais regardez, le pseudo il est même pas écrit en face du huge. Il est écrit à droite de son oreille. Et du coup bah évidemment, pour participer les gars, il faut mettre le code secret qui sera écrit comme ça, comme l'exemple. Et puis bonne chance à tous pour trouver le code secret. Et bien sûr les gars, en plus de ce huge incroyable, vous allez gagner des exclusifs. Hop. Et donc on va mettre quoi comme exclusif? Je vais vous faire gagner le petit Mr. Krabs et le Sad Dodge. Donc ça c'est un nouveau pet les gars. Donc bonne chance à tous. Et puis bonne vidéo les gars. Bonne chance pour le huge. Ok les gars, c'est parti pour tirer au sort les deux vainqueurs de la dernière vidéo. Ah non, les trois même, parce qu'il y a un classique bunny aussi. Du coup le premier... Wesh. Mais non, c'est Axir le premier. Pas mal les blazes, tu devrais faire une vidéo Valorant Roblox Axir. Ok, et bah gros GG à toi Axir. Et en plus de ça, tu as marqué le code secret. Et les gars, c'est lui qui a fait le montage de la vidéo. Donc c'est assez drôle. Et allez voir la vidéo parce qu'elle est incroyable. Il a fait le montage. Et du coup, alors attendez, parce que j'ai même pas encore sorti les pets à gagner. Du coup, il y avait quoi à gagner aujourd'hui? Il y avait le petit hop phoenix comme ça. Et il y avait deux classiques bunny. Du coup, c'est parti. Hop, on lui envoie directement son cadeau. Hop, le shuriken. Je sais même plus c'est lequel. Ah ouais, c'est phoenix. Donc c'est celui-là. Gros GG à toi. Hop. Et donc on passe directement aux deux autres vainqueurs. Ok, c'est parti pour le deuxième vainqueur. Et c'est Saladin. Je participe, mon pseudo Zertek. Et tu devrais faire un tournoi avec des épreuves pour gagner un huge. Et bah en vrai, plutôt bonne idée de vidéo. Mais du coup, là, je vais t'envoyer ton petit cadeau. Boum. Et tu as gagné un classique bunny. Bam. Oh, ils sont stylés les nouveaux d'ailleurs. Gros GG à toi. Hop. Et on passe au dernier vainqueur. Du coup, c'est parti. On tire le troisième vainqueur. Et c'est Jojo. Trop bien. Je le connais un petit peu en plus. Je participe, mon pseudo Jojo. Et ça serait bien de faire les Jeux Olympiques de Pet Simulator. Et bah, très bonne idée de vidéo. Et GG à toi, Jojo. Je sais pas si t'as déjà gagné une fois. Mais en tout cas, je sais que t'es un actif sur la chaîne. Donc ça fait plaisir que tu gagnes. Hop, les actifs qui gagnent. Gros GG à toi. J'envoie directement ton cadeau. Tadam, cadeau envoyé. Yo les gars, c'est Zio, surtout pour une nouvelle petite vidéo les gars. Aujourd'hui, me dites pas pourquoi je suis à côté d'un œuf en forme de saut à la plage, mais aujourd'hui les gars, on va faire la fameuse vidéo, vous attendez tous, les clés. Et les gars, tenez-vous bien, il y a une nouvelle mise à jour sur Big Games, sur Roblox, sur Pet Simulator. On peut ouvrir 100 clés d'un coup. Et oui les gars, c'est pas faux, c'est bien réel. On peut ouvrir... Wesh, tu veux quoi toi? Petit chat. Donc on peut vraiment ouvrir 100 clés les gars, c'est une dinguerie. Du coup bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs ce qu'on va faire avant de commencer, toutes les clés, parce qu'il y a aussi les autres mondes bien sûr. Regardez, si je marque clés, voilà, il y a les clés de tous les mondes. On peut faire ça pour toutes les clés, c'est incroyable. Donc c'est vraiment stylé. Et du coup avant de faire toutes les clés, avant d'aller acheter des clés dans le Trading Plaza, on va se faire vite fait 100 clés en bonus, tu vois, pour se mettre dans le bain. Allez c'est parti. Ouais, je t'aime à tous les items. Attends, du coup là, si on regarde bien, je pense que j'ai pas eu le huge, on est d'accord. Et en plus, j'ai eu 5 clés qui n'ont pas été consumées. On va regarder, les gars, le Westy. Ouais, j'en ai 1 milliard. Non, j'ai pas eu de Westy, les gars, malheureusement. Du coup, c'est parti, les gars. Let's go, bonne vidéo à tous. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires pour le référencement. Et puis, c'est parti. On va déjà commencer par un truc très important que je voulais tester, les gars. Donc, c'est par ici, suivez-moi. C'est juste là, l'arbre. Est-ce que on peut ouvrir 100 clés, des clés secrètes dans l'arbre? Et franchement, j'aimerais bien, les gars, parce que regardez-moi ça. Les clés secrètes, j'en ai 1500. Et ceux qui le savent, les anciens, c'est le seul huge que j'ai pas dans les clés, les gars. Le clé du Void, je l'ai packé moi-même. Les clés du Tech, je l'ai packé moi-même. Les clés légendaires Key, normal, cristal, je les ai packées moi-même. Hacker Key, je crois que je l'ai pas packé, par contre. Mais après, le Hacker Key, il est très compliqué à drop comme clé. Mais un jour, j'essayerai, pourquoi pas. En plus, ça coûte super cher, les clés, comparé aux autres. Mais un jour, pourquoi pas. Les clés comme ça, Treasure Hideout, je les ai aussi ouvert et packées moi-même. Donc en fait, il n'y a que les Secret Key, les gars, que j'ai pas. Et malheureusement, je viens de me faire spoil, on ne peut pas ouvrir 100 par 100. Mais en vrai, c'est logique, c'est logique. Par contre, regardez pas pourquoi je suis mastery 69 sur les clés, les gars. Et du coup, que de la merde. Regardez pas pourquoi je suis mastery 69, c'est normal. Mais du coup, voilà, on va tester quand même une deuxième. Hop, mastery 69, let's go. Et non.
Ouais, c'est un peu dommage. D'ailleurs, j'ai enlevé les notifications d'items, attendez, je vais les rajouter. Parce que c'est vrai que là, ça va nous être utile. Hop, notification d'item, c'est parti. Ça veut dire quoi, basique, attendez. Ah ouais, on peut tout avoir. Bah, c'est bête. Moi, je veux tout. Voilà, oh, tout. Ok. Bon, bah, les gars, c'est parti. On va directement aller dans la Trading Plaza pour aller acheter des clés. Alors, je vais pas en acheter un milliard non plus. Mais j'ai envie d'en avoir à peu près 1000 ou 5000 de chaque clé. Donc, c'est parti. Hop, d'ailleurs, s'il y en a qui sont déjà là, ça serait pas mal. Comme ça nous éviterait d'aller chercher un peu partout. Hop, si on peut trouver des clés. Bon, là, il y en avait, mais c'est les trésors qui, on s'en fout un peu. Ah, là, il y a un truc assez stylé. Super shiny. Putain, je l'avais vendu à l'époque, celui-là, j'aurais jamais dû le vendre. Ici, on a quoi? Le présent, ok, très stylé, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Et j'ai personne de vendre clé ou quoi? Ah, là, j'en ai vu. Ah non, c'était les trésors. Dommage. Il y a celle des prisons aussi. Est-ce que je testerai celle des prisons ou pas? Elles valent 30 000. Bah, tu sais quoi, je vais acheter les trois là. On ira tester, les gars. Parce que c'est vrai que j'oublie tout le temps, mais il y a les clés de la prison qui existent. Et là, on n'a rien. Ok, je vais aller vite fait, vite fait, vite fait en acheter. Alors, d'ailleurs, lesquelles j'aimerais bien acheter? Alors, Void de qui j'en ai pas beaucoup. Les techs, j'en ai pas mal quand même. J'en ai presque 1000. Et ben, on va essayer d'en acheter quelques Void, les gars. Hop. Alors, Void Key. Boum. Voilà. On va en acheter quelques-unes. Parce que ça peut être utile en vrai. Hop, let's go. Et puis après, on fera toutes les clés. Le méga pack opening. Mais skippez pas la vidéo, là, les gars. Skippez pas. On va attendre tous ensemble. Tranquille. Wesh, ils ont déjà acheté toutes mes clés, les bâtards. Attends, je vérifie, mais. Wesh, y'en a plus. Bon bah on va racheter des clés du coup. Hop. Voilà. Alors du coup d'ailleurs. Oh, serveur plein. Du coup, pourquoi je fais pas de vidéo sur la nouvelle mise à jour Pokémon, je sais pas quoi? Bah parce que c'est une mise à jour un peu bof. Ceux qui aiment bien, franchement force à vous, mais moi je la trouve un peu bof la mise à jour. Mais par contre, y a pas de clés ou quoi? Mais frère, ils veulent pas que j'achète des clés. Non mais c'est un troll. C'est un troll. Bah les gars, si on peut pas les acheter, on va directement aller les ouvrir. Hein. De toute façon, j'en ai déjà énormément en stock. J'en ai 5000, les techs j'en ai 1000, les Void j'en ai 100. Trésor et prison, on va les tester, mais je pense pas qu'elles marchent. On verra. Bon là, il y en a que 3 frère. C'est quoi ça? Qui vend 3 clés par 3 là? C'est quoi? C'est une fraude. Bon allez, tu sais quoi? Allez, on se casse, c'est bon. On se casse de là. Ça m'a saoulé. Allez, c'est parti. Let's go. On va les tester du coup. Est-ce qu'on teste d'abord les prison keys? Ou moi je pense que oui. Hop, directement on va se téléporter. Bon, je verrai si je fais des cuts au montage. Voilà, on verra. En tout cas, on va directement dans le void. On va tester le hacker world et les prison world. Pour voir si les clés elles marchent. On va directement commencer par celui-là. Hop. J'ai quand même une bonne mémoire. Hein, pour savoir les coffres qui existent. Du coup, c'est parti. Allez, première test. Let's go. Les clés de la prison. Ah non. Malheureusement. Ah mais attends, peut-être que là, regardez. Si je clique, peut-être qu'on va avoir 100 clés à ouvrir. Ah non. Ah non. Dommage. On va faire une petite deuxième pour tester. Mais malheureusement, je crois que ça ne marche pas, les gars. Ouais, non. Les clés de la prison, malheureusement, ça ne marche pas du tout. On va tester avec les hackers. Hop. Donc je crois qu'il faut aller ici. Boum. C'est dommage. Ça aurait été bien. Imagine, t'aurais pu ouvrir 100 d'un coup les clés de la prison. Surtout que les chances, elles sont incroyables. Du coup, hacker, c'est parti. Est-ce que on peut en ouvrir 100? Je pense que oui, en vrai. Ah non. Quoi? Alors, soit c'est parce que j'ai pas beaucoup de clés, les gars. Soit j'en ai pas beaucoup. Alors, attends. Je vais quand même sortir mes pets vite fait. On va voir, hein. Peut-être que... Est-ce que je pourrais en dropper? Attendez. Je vais essayer de drop des clés. Hop. Mais c'est bizarre quand même. Vous allez me dire que là, je vais pas ouvrir toutes les clés. C'est bizarre quand même. Ah mais elles ont l'air trop dures à dropper. Et où la dernière zone d'ailleurs? La dernière zone du Hacker World, c'est laquelle? Eh, je sais plus. La dernière zone du Hacker World, c'est Hacker Mainframe. Bon, on va se TP au pire. Ah ouais, c'est là-bas. Ok, bon, on va tester les gars. Dans drop quelques-unes des clés. Et puis au pire, c'est pas grave hein. Mais c'est vraiment bizarre. Genre là, je peux en avoir qu'une seule. Je sais pas. Au pire, vous me direz dans les commentaires. Hein. Vous me direz. Est-ce que, les gars, on peut drop plusieurs 100 clés en même temps? Bon, on va tester quand même. Ouais, non. Bizarre. Franchement, très bizarre. Très, très bizarre. On va aller dans le void, du coup. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé. Mais après, ça se trouve, c'est parce que j'en ai pas assez, malheureusement. Ok, c'est parti, les gars, pour le coffre.
Moi là j'en ai pas 1000 malheureusement. On n'en a pas acheté assez. Mais j'en ai 67. D'ailleurs on va les crafter ensemble. Hop, où est-ce qu'elles sont les clés? Elles sont là. On va crafter toutes les clés qu'on a. Boum. Hop, en plus ça fait des masteries, c'est cool. Hop, on crafte tout. On crafte tout. Et Void, j'ai déjà crafté. Ok. Bon bah les gars, c'est parti, hein. J'espère que vous êtes prêts. On va directement ouvrir les cadeaux. Eh oui. Allez, non, je rigole. C'est parti. 67 d'un coup. D'ailleurs, c'est le coffre avec le plus de chance, les gars. Ceux qui veulent savoir les chances des Huge, le plus facile à avoir, c'est Void, ensuite Tech et ensuite Crystal. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Wouah, tout ce que j'ai drop. Il n'y a pas eu de Huge. Oh! What the fuck? Oh la dinguerie. Attends, j'en ai 4 en plus encore. Oh dommage, attends, je vérifie. Là, je crois qu'on n'a rien eu. On va quand même vérifier. Void 4. Non, il s'appelle pas Void 4, il s'appelle Holographic 4. Ah ouais, non. Vous voyez que ceux-là, je les avais déjà. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Et par contre, on a eu 1 milliard d'items et on a augmenté la mastery de 69 à 70. C'est un peu triste, mais bon. 70, du coup, on a débloqué quoi? Small chance to get a free secret key. Quand on combine, ok, pas mal en vrai. Bon bah c'est parti pour le Tech World les gars. En vrai, je pense qu'on va avoir un huge dans cette vidéo, voilà. Dites-le en commentaire, vous mettez pause et vous marquez, je suis à la moitié et je pense que tu vas avoir un huge. Et, ou alors je pense que tu vas pas en avoir. Parce que ceux qui trichent, on vous connaît. Par contre ce monde il est tellement beau les gars. Venez, on dit la vérité dans les commentaires. Le Tech World les gars, c'est le plus beau monde de Pet Simulator. Genre vraiment. Moi, c'est mon monde préféré quand il est arrivé et tout. En plus, il y avait la hype avec. Comment ça s'appelle? Tu sais, le computer là. Enfin bref, c'est incroyable. Bon, allez, c'est parti. Let's go, les gars. Sans clé, let's go. Wesh, tout ce que j'ai eu. Mais du coup, je sais pas comment on voit qu'on a un huge. D'ailleurs, je vais remettre, hop, mes petits enchants d'œufs là. Hop, comme ça, on a encore plus de chance. Boum, magnifique. Et puis c'est parti, on va se décaler un peu et let's go. Ouais, j'étais ma tout loot. Ouah, le loot de baiser. Mais vous êtes sûr que j'ai pas l'agonie là? Attendez. Ah ouais, non, je l'ai pas. En plus, regardez, c'est moi qui les ai packés. Et lui, regardez, je l'ai appelé Before Exploit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un bug à l'époque où en gros. Bah, tu pouvais avoir 1 milliard d'agonie, je sais pas si vous vous rappelez, et même dans la Trading Plaza, les gars, il y avait plein de gens qui avaient genre qui vendaient 1000 agonies et tout, enfin c'était une dinguerie. Et du coup, moi je l'ai packé avant le bug, donc c'était pour ça que je l'ai écrit comme ça. Ok, c'est parti, 100, let's go. Attends, j'ai rien eu? Non, mais ils ont changé les chances, c'est pas possible. Ouais, j'ai pas de chance ou quoi? Allez, 100, allez, allez, sans clé, sans clé. Mettez-moi! Mais c'est un troll. Attends, je vérifie, j'en ai combien, mais. Attends, là je perds des millions de clés pour rien. Allez, c'est parti. Sans clé. Quoi? Mais t'es pas tous les items qu'il y a, il n'y a même pas un seul huge. J'espère que ça me fait mes masteries au moins. Ah ouais, niveau 71, ok, ça va. Allez, sans clé, c'est parti. Toujours rien. En plus, il y a un mec qui a fait un bruit de fou. Allez, sans clé, c'est parti. Wesh, mais j'ai rien! Oh, j'ai cru que j'avais eu un huge, mais non, c'est celui du monde. Bon, ouais, les gars, les 100 dernières, c'est parti. Allez, croisons les doigts, let's go. Wesh, mais non, mais c'est le jeu, il est maudit. Vous avez vu tout ce que j'ai ouvert et j'ai rien eu. Non, c'est une dinguerie. Moi, ouais, les gars, vendez vos clés, hein. Vendez-les. Vous allez avoir beaucoup plus de gemmes que si vous les ouvrez. Regardez, par exemple, celle-là, j'ai 80 millions de gemmes. C'est-à-dire que je peux avoir deux huge et je vais les ouvrir et je vais rien avoir, vous allez voir. C'est parti. Pour le dernier monde. Ah là là, ça fait mal quand même. Ça fait mal au cœur. D'ailleurs, si vous avez une idée, les gars, de ce que je pourrais faire avec mes gemmes. Parce que moi, j'aime pas avoir des gemmes qui traînent pour rien. Donc, si vous avez des idées, avec mes 200 millions de gemmes, ce que je pourrais faire, les gars, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je ferai les meilleures idées en commentaire. En tout cas, c'est parti. On va directement ouvrir des clés. Mais pourquoi il y en a qui sont AFK aux clés, les gars? Alors que maintenant, tu peux ouvrir 100 par 100, il y a quand même des gens qui sont AFK. Bon, bref. Les autres clés, je vais pas vous mytho, j'en avais pas énormément. Tech Key, j'en avais un petit peu quand même, mais. En tout cas, Crystal Key, j'en ai beaucoup, beaucoup, donc on va tester. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc dans le Tech World, donc on va y aller. Et j'espère qu'on va se téléporter dans un meilleur monde, parce que tout à l'heure, il y avait que des gens qui faisaient que de casser des items, ça me cassait les oreilles. Du coup, c'est parti. On va déjà faire le truc que j'ai oublié de faire, parce qu'il y avait un petit coffre ici. Mais surtout,
Hop, quand on se téléporte ici, on a le trésor Hideout. Hop, je crois que c'était ici, voilà. Et on a oublié de tester les clés. Eh oui. Parce que c'est vrai que je teste toutes les clés, mais j'ai oublié de faire celle-là. Du coup, c'est parti. Est-ce qu'on peut ouvrir sans clé? Ah non, une seule. Bon, on va quand même le faire, mais c'est vrai que c'est dommage. En vrai, c'est un peu une vidéo, je teste toutes les clés, hein. Bon, je vais pas tout faire, malheureusement, j'ai un peu la flemme. Mais je vais quand même, hop, casser un tout petit peu. Hop là. Wesh, tous les items qui drop. Théma. Bon, j'ai la flemme. On se casse de là. Hop. Allez, c'est ciao. On se dégage. Ça se trouve, j'ai eu Luge en plus. Je sais pas. Vous me direz en commentaire si je l'ai eu. Je pense pas. Parce que j'avoue, je regardais pas l'écran, mais. On sait jamais, hein. On sait jamais. Allez, c'est parti. On retourne dans le monde principal. Et là, les gars, c'est la partie que vous attendez tous. Le fameux moment où je vais ouvrir 5000 clés en mode x100, x10. Ça va être très très incroyable. Donc les gars, let's go. Est-ce que je vais avoir un huge? C'est maintenant ou jamais. C'est l'un des huge les plus simples à avoir du jeu. Il vaut pas cher en plus. Allez. En vrai, j'espère que je vais l'avoir parce que regardez, je peux avoir deux huge avec mes clés. Donc ça veut dire que là, si on veut être renta, il nous faut minimum deux huge. Donc là, si on en a un ou zéro, c'est de la merde. Allez, 3, 2, 1, let's go. Ok. Sans première clé, rien du tout. Allez, 100, hop, ça enchaîne. Ok, rien. D'ailleurs, j'ai une. Est-ce que je. Genre... Ah ouais, j'aurais bien aimé enchaîner genre 1000 clés, mais on peut pas. On peut pas parce que le bouton E il disparaît à chaque fois. Allez, c'est parti. 100 clés, let's go. Dommage, on n'a rien eu. Moi, c'est vraiment triste. Allez, 100 clés, c'est parti. Non, mais attends, c'est quoi ça? Regardez, j'ai 100 000 items, j'ai même pas de huge. C'est pas grave, on n'abandonne pas. Allez, allez, allez. Toujours rien, dommage. C'est que ceux qui abandonnent qui n'auront jamais de huge. Oh merde, j'en ai fait 50 sans faire exprès. Bon, au moins on aura testé la théorie de 50 s'il y a des meilleures chances. C'est quoi, on va tester la théorie une chance aussi. Ouais, non, une clé, je vous conseille pas, ça porte pas beaucoup de chance. Après, à l'époque, on faisait une clé par une clé et on avait des dingueries en vrai. Allez, c'est parti, 100 clés, let's go. Mais j'ai vraiment rien en plus. C'est pas grave, on se reste concentré, on va se concentrer. C'est pas en pleurant qu'on va avoir des huge. Ok, toujours pas. Bon, on continue. De toute façon, on est là pour spammer les clés. Toujours rien. Il y a même le chat qui m'encourage, mais il voit, j'ai rien. Attendez, si je me mets sur le chat, regardez, dans le chat. Non. Toujours pas. Et si je me mets là, là. Ouais, frère. Je suis mastery 73, j'ai pas de huge. Attends, si je me mets derrière le coffre, comme ça. Oh merde, je crois que j'ai. Oh, j'ai tout pété. Oh merde. Je crois que j'ai mis des items sur le toit, les gars. Bon, c'est pas grave. On n'est pas à ça près. J'espère juste qu'il n'y avait pas le huge qui s'est perdu parce que. Attends, et si je saute. Genre, je saute avec mon overboard. Comme ça, regardez. Est-ce que les items ils volent? Ah ouais. Incroyable. Putain, je suis vraiment en train de faire des crash tests. Ok, c'est parti, on continue. 100 de plus. Attends, mais me dis pas que je vais rien avoir. Non, c'est impossible que j'ai rien. Les gars, écoutez bien. Écoutez bien, c'est impossible que j'ai rien. Là, si après cette vidéo j'ai rien, c'est vraiment impossible. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est possible en fait. Ah oui, j'ai l'impression que c'est très possible en fait. Attends, mais on a combien de clés là? Parce que ça va pas le faire, les gars. On est déjà à la moitié. Oh là 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 là. Attends, je vais essayer de les faire le plus lent possible. Comme ça. Ah non. Merde, j'ai juste perdu de mes clés. Wouhou! Nul. Putain, je m'amuse bien en tout cas, ça c'est sûr. Ok, nul. En fait, je teste des endroits où est-ce que les clés pourraient avoir le plus de chance, tu vois. Ok, nul. Mastery 74 en plus. Ok, ici, ça marche pas. Il faut pas partir trop loin sinon les clés disparaissent. Bon, le huge, il vient un jour ou il vient jamais? Je comprends pas. Ah ouais, si je m'éloigne, ça marche pas. En fait, il faut d'abord ouvrir et après t'éloigner. Bon, on a toujours rien. C'est bizarre quand même, les gars. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche là. Allez, venez, venez, venez. Oh. C'est vraiment de l'arnaque, ce mini-jeu. Non, je pense que c'est de l'arnaque. Genre là, tu vas me dire, je dépense 100 millions et j'ai pas un seul huge. Non, c'est vraiment de l'arnaque. Désolé, les gars, si je suis aigri, mais c'est vraiment de l'arnaque. Dites-vous que, les gars, il y a genre au moins une dizaine d'abonnés qui ont fait des vidéos où ils ouvraient les coffres à cristal comme ça. Et ils m'ont @nsq. Et je leur ai mis des petits commentaires et tout. Mais genre, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'ils ont tous ouvert des clés.
et ils ont presque tous eu des huge. Alors que c'était avant qu'on puisse faire les clés x100, les gars. Donc comment ça se fait que ils ont tous eu des huge et moi je fais des clés x100, regardez tous les items et j'ai rien. Moi je pense que c'est vraiment de l'arnaque. En tout cas, merci à tous les abonnés qui font des vidéos Roblox et qui m'arrobasent, ça fait plaisir. J'essaie de vous répondre à chaque fois, mais des fois il y en a beaucoup. Ok, Mastery 75, on avance. Toujours rien. On sait quoi, on va accélérer, c'est parti. Allez, on accélère. Hop, hop, hop. Toujours rien. Hop, hop, hop. Allez, allez. Wesh, tellement il y a items, ça met 3 ans. Toujours rien, on accélère. Après, ça se trouve, on a eu un huge, hein. Mais juste, on n'a pas regardé. Peut-être. Bon, ça m'étonnerait, mais... Ok, les gars, j'ai une strat, regardez. J'avance comme ça. Non, non. Je vais faire avec mon surf, c'est mieux. Oh, la technique de Gogol. Ok, attends, j'ai une autre technique, regardez. Regardez. J'esquive les trucs, j'esquive. Ah. Wesh, il y a une boule de mana. Oh là, wesh. Attendez, je vais refaire. C'est incroyable. Ok, c'est parti. Boule de mana qui me suit. Oh putain, incroyable. Ça, c'était vraiment incroyable. Attends, je refais. Miaou, 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 miaou. Oh putain, le gogol. Non mais c'est incroyable. Bon bref, en fait on s'amuse bien là mais on n'a pas de huge donc ça va pas le faire. En plus j'ai osé dire ouais, si on n'a pas de huge c'est impossible. Bah on a plus que 600 clés et c'est fini là. Donc j'aurais peut-être mieux fait de me taire en fait. Putain, dites-vous que là, non. Je suis dégoûté, j'aurais pu avoir 80 millions de gemmes. Oh là 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 là. Et même plus si on compte les autres clés. Genre là les gars, j'aurais pu avoir 100 millions de gemmes, avoir 300 millions et j'ai tout perdu juste en ouvrant des clés de Gogol. Et là regardez, technique du cadeau, empoisonné. Non, nul. Bon, à la limite si je l'ai, donnez-le moi en rainbow. Comme ça on n'en parle plus, tu vois. Oh là là, la catastrophe. Oh les gars, dites-moi si c'est moi qui suis maudit ou pas, mais... J'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous l'avez eu le huge. Waouh, c'est impossible. Non, c'est trop bizarre. Genre là, non. Je peux pas croire que je l'ai pas eu. Ok les gars, bon, on va quand même regarder. Mais là, ça me paraît bizarre. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup de huge, mais regardez pas tout. Attends, hop, on se spoil pas. Attention. Est-ce que j'ai eu le huge? Et non. Attends, quoique, parce qu'ils sont tous niveau 1 ceux-là. Ah ouais, non. Aïe, 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 aïe. Et je vais quand même regarder si je marque Westy. Est-ce que je l'ai eu? Non. Non, non, non. Aïe, 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 les gars. C'est vraiment de l'arnaque, ces clés de noob. Franchement, je vous conseille pas de les ouvrir. Hein. Attends, mais. En plus, je peux en ouvrir presque à l'infini. Bon, presque. Hein. Bon, c'est vraiment triste. N'ouvrez jamais ça, les gars. Regardez, j'ai tout perdu. Ah, il me reste une dernière. Wesh. La dernière DDR. Ah, mais pourquoi elle s'est pas consommée? Ah, j'ai un glitch. Oh non. Glitch de clé infinie. Ah non, c'est fini. Bon, on va aller faire vite fait. Hop, l'arbre magique. Parce que là, je suis trop dégoûté. Donc si jamais l'arbre, il peut me remonter le moral, ce serait pas mal. Hop, let's go. Allez, au moins un charme de fou. Ouais, bon. On va s'arrêter là, les gars, c'est la catastrophe. N'ouvrez jamais les clés. Je suis vraiment dégoûté. Au moins, ça vous fera une petite prévention, tu vois. Pour tous ceux qui pensaient faire des packs opening de fou, bah vendez-les en fait, c'est mieux. Là, j'aurais pu m'acheter deux huge, voire plus, vu qu'ils ont baissé en prix. Donc bon, un peu triste. En tout cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner, et puis ciao.